Donc aujourd'hui on est là pour la manifestation nationale et donc c'est contre le projet de la réforme Macron sur la réforme de la retraite. Avant d'être pompier, on est citoyen. Moi j'ai des enfants et je veux leur laisser quelque chose de propre. Tous partir dignement à la retraite sans faire des années et finir à 70 ans pour travailler. Au-delà de travailler plus longtemps, c'est la diminution des pensions de retraite qui nous attend. Donc ça veut dire que demain on va précariser encore plus. Aujourd'hui on est dans un état foncier, aujourd'hui ça dépasse les pouvoirs publics et donc du coup la seule chose aujourd'hui qu'il y a à proposer pour les manifestations c'est la répression. Donc, aujourd'hui on voit que de plus en plus les forces de l'ordre sont obligées de faire de la répression puisqu'aujourd'hui la colère des citoyens n'arrive pas à se faire. Le mouvement social dépend tout simplement de nos dirigeants, ça veut dire que le président de la République ainsi que son gouvernement, quand ils auront entendu les revendications et qu'ils prendront en considération, on pourra à ce moment-là revoir les choses. Aujourd'hui, on cherche à améliorer le système et non pas à le détruire.